Mais dis donc, tu as vu Pauline Berthier et Édouard Chazot se sont fiancés? Oh, enfin! Encore quelques années, ils se marieront dans leur maison de retraite. Oh! Ah non, mais franchement, hein? Franchement, moi je pensais que cette pauvre Pauline avait beaucoup plus de goût. Et il faut reconnaître qu'Edouard n'est pas difficile non plus. Il aurait tort de l'être, hein? La ça, nature ne l'a vraiment pas gâté, lui non c'est plus. C'est vraiment... T'as raison, c'est pas faux, hein? Non, mais quand on y pense, hein, il y a vraiment sur cette terre des femmes qui sont peu exigeantes. Et des hommes peu regardants. Je confirme. Mais dis-donc, que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Madame Truche est décédée. Ah, il n'est pas trop tôt, dis-donc. Oh, bon, t'exagères, enfin, hein. Elle a dû être emportée par une crise de goutte ou quelque chose comme ça. Ça, ça lui pendait au nez. Alors ça, c'est pas bien de rire du malheur des autres, écoute. Oh, c'est réjouissant, même. Tiens. Prends Madame Dumollard. Prendre Madame Dumollard? Non, mais très peu pour moi. Enfin, elle n'est pas du tout mon genre, écoute. Tu te rends compte quand même, à 50 ans, apprendre que son mari la trompe depuis 10 ans? Mieux vaut tard que jamais. Et avec la voisine en plus. Oh, mais pourquoi aller chercher trop loin? Ça, c'est pas faux non plus. Enfin, ça dépend pour qui, hein? Et coup sur coup, découvrir que sa fille fait du striptease dans un cabaret, faut le faire, hein? Ah oui, ça, c'est pas donné à tout le monde de se déshabiller en public, hein. Déjà que pour certaines, en privé, c'est dur. Franchement, il faut être sacrément gourde pour s'être rendu compte de rien, hein? Ah, écoute, ça, que Madame Dumollard soit une gourde, alors là, je l'admets volontiers. Elle aurait pu donner à boire à tout le quartier. et pas qu'en goutte à goutte. Mais tu sais, quand j'y pense, ben, il y a dans chaque famille, il se passe des choses qu'on n'imagine même pas. Tu crois? Ah oui, tiens, je suis persuadé que dans chaque maison, il y a des secrets qui sont parfaitement bien gardés. Chez nous aussi, alors? Ben, qui sait? Oui, au fond, qui sait? Oh ben, attends, et moi, ce que je sais, c'est que je suis déjà en retard. je suis très pris aujourd'hui. Et tu restes à ton bureau? Non, en partie seulement. J'ai un rendez-vous dans l'heure près d'Évreux. Ce qui fait que vraisemblablement je rentrerai un peu tard ce soir. Comme d'habitude. Et toi aujourd'hui? Oh, ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal au cervical. Merci. Ah, heureux de l'apprendre. Et ton programme de la journée? Oh, je te rappelle que nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, je n'ai pas cours à la fac. Ah, c'est vrai, tes étudiants doivent être ravis. Et comme chaque jeudi, je joue au Scrabble. Ah, c'est vrai. Oh. Et aujourd'hui, c'est chez Agathe. Ah oui, Agathe, cette chère Agathe. Enchantée. Oh. Agathe Zarzynski, l'épouse du procureur. Ah oui, c'est vrai. Zarzynski, hein. Rien qu'avec son nom, c'est mot contre trip direct. Oh, dis donc, j'aurais déjà dû être partie, hein. De Scrabble. Ben oui, partie de Scrabble, quoi. Ouais. Oh, bon, ouais. À ce soir. À ce soir. Toujours le mot pour rire. Ah. Allô? Oui, elle-même. Monsieur Joe! Oh, comme je suis heureuse de vous entendre. Pas de blabla avec vous? Ben non, bien sûr que non, vous me connaissez. Ah ben oui, c'est vrai, oui, seulement par téléphone. Vos 5000 euros? Ça fait 2 semaines que vous attendez? Alors vous êtes patient, hein? Moi, il y a longtemps que vous allez venir à la maison? Ben, vous connaissez mon adresse. Oui, c'est bien ça. Cet après-midi, mais dans une heure, et que j'ai intérêt à allonger le fric. Oh là là. Allô? Allô? Oh là 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 là. Ça, il fallait s'y attendre, hein? Il faut mieux que je prévienne Agathe. Allô, Agathe? C'est Pierrette. Elle est navrée pour le Scrabble, mais ça va pas être possible. Non, rien de grave. Enfin, si. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Monsieur Joe. Oui, notre bookmaker. Il va venir chez moi cet après-midi. Il me réclame ses 5000 euros. Ben non, je ne peux pas lui faire un chèque de 5000 euros. Mon mari s'en apercevrait tout de suite.
Vous ne voudriez pas être à ma place. Ce n'est pas un tendre. Et il ne faut surtout pas le contrarier. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, et heureusement, Agathe, il n'y a personne à la maison aujourd'hui. Oui, tant mieux. Tant mieux, sauf que je n'ai pas la somme. Hein. Que je lui fasse un acompte. Oui, 1000 euros. Oui, ça serait pas trop mal, ça. Et merci du conseil, Agathe. Hein. Je file à la banque pour retirer l'argent tout de suite. Non, non, j'ai le temps. Il n'arrive que dans une heure. Bon, merci encore et à très bientôt. Oh là 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 là, il va falloir que je fasse vite. Une heure. Ouh. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, oui, cette fois, j'y suis. Ma mère vient de partir et puis mon père a déjà quitté la maison. Si tu savais comme j'ai hâte, depuis le temps que je veux le faire, ce book. J'espère vraiment que je serai à la hauteur, d'ailleurs. Et le photographe aussi. Un artiste très professionnel et branché culture, je sais. Tu me l'as déjà dit. Il a travaillé pour le cinéma. Un peu original au niveau du look, c'est-à-dire... Ça, j'avais remarqué, merci. Alors, vous êtes observatrice.
Enfin, je veux dire, ce n'est pas votre jour, Monique. Ah, ça non. Vous pouvez le dire, ce n'est pas mon jour. Dès ce matin, ça commençait mal. Et ouais, figurez-vous que ma pétrolette était crevée. Votre pétrolette? Ma mob, si vous préférez. Oh, mais moi, je préfère pétrolette, hein, ça fait plus... Rétro? Voilà, c'est ça, plus rétro. Et d'ailleurs, en parlant de rétro, hein, moi, j'ai le gauche qui est complètement déglingué, là. Tiens donc. Ah, puis d'ailleurs, il n'y a pas que le rétro qui est déglingué. Hein. C'est simple, moi, je suis comme les seuls. Hein. Je suis lessivée. Enfin, je veux dire, vous ne deviez venir que demain, vendredi. Ah, ça, c'est vrai, ça. Alors vous, vous êtes observatrice. Vous me l'avez déjà dit, merci. Mais un compliment, ça peut se répéter. Moi-même, une seule fois, je suis preneuse. Ça ne m'explique toujours pas ce que vous faites là, Monique. Ah oui, c'est vrai, ça. Eh bien, écoutez, demain, vendredi, eh bien, je suis occupée. Et ouais, figurez-vous que je dois garder un des moutards de Madame Grougnard. Oh, tiens, moutard, Grougnard, ça rime, ça? Ouais, je devrais faire de la poésie, moi. Ma Grougnard, vous savez, c'est ma voisine de palier. Ben non, vous savez pas. Enfin bref, toujours est-il que Gertrude Grougnard, c'est une vraie concierge, vous imaginez le genre? Alors, en voyant, j'imagine assez bien, oui. Bon, ben, elle doit partir au mariage de la nièce de sa belle-sœur ou un truc comme ça. Oh, moi, je me demande bien ce qu'elle va y faire, d'ailleurs. Hein. Mais bon, après tout, c'est son problème. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Donc, elle m'a demandé de m'occuper de son mioche, le petit Jean-Claude. Oh, ben, il est bien gentil, hein, le petit Jean-Claude. Bougon, mais gentil. Enfin, bref, comme tous les gosses, quoi. Moi, je dis ça comme ça, hein. Je ne suis pas une spécialiste de la question, hein, mais bon. Ah bah bref, je me suis dit, comme demain, je ne peux pas venir ici, je me suis dit, bah Monique, t'as qu'à y aller aujourd'hui chez les Marbonniers. Ça compensera, pas bête, hein. Eh bah, je vous laisse seul juge. Oh, et heureusement que j'ai les clés, hein. Parce que normalement, aujourd'hui, je devais être tranquille. Normalement, la maison était censée être libre. J'ai bien dit censé, parce que vous ne deviez pas être à la fac, vous? Si. Ah, vous allez me dire que je serais mieux de m'occuper de mes fesses et qu'il y aurait de quoi faire vu leur volume. Vous exagérez, Monique. Ouais, enfin, c'est vrai aussi que personne ne s'en occupe de mes fesses. Hein. Bon. Alors, comme ça, on fait sécher? Non. Enfin, oui. Enfin, je n'avais qu'un TP aujourd'hui, voilà. À vos souhaits. TP, travaux, pratiques. Ah, peut-être bien, mais c'est pas très sérieux, ça, hein. Je sais. Eh ben, moi, à l'époque, hein, je n'aurais jamais raté un cours de fac, hein. Vraiment? Ah, ça, non. Enfin, faut dire aussi, hein, que j'y suis jamais allée à la fac, alors. Eh ben, ça facilite les choses, hein. Forcément, forcément. Bah ouais. Ça a fait comme le jour de mon permis. J'ai calé en troisième. Dites, Monique, je ne voudrais pas être indiscrète, mais... vous voudriez en savoir plus sur mes études? Ah non, pas vraiment. Vous comptez rester là toute l'après-midi? Ah bah possible, hein. Ça dépend du boulot et de ma motivation, qui sont en général très liés l'un à l'autre. Hein. Pourquoi? Ça vous gêne? Non, c'est pas ça, mais je... Mais... J'attends quelqu'un. Voilà. Ah? Et vous ne me demandez pas qui? Ah si, si, ça allait venir. Oh, ce n'est pas un petit copain, hein? Ah bon? D'ailleurs, je n'en ai pas. Ah bon? Enfin, en ce moment. Ah, bah c'est comme moi, alors. Sauf que moi, c'est pas qu'en ce moment, hein. Bon, il y a bien Raoul, là, qui me tourne autour. Raoul, il fait boucher sur les marchés. Tiens donc! Il fait tripier aussi! Mais vous m'en direz tant! Oh, ça! Oh, bah c'est sûr que lui, hein, s'il meurt étouffé... Ça sera pas par la finesse, hein. Eh ben, on peut dire que vous vous entendrez bien, alors. Oh, bah lui demanderait que ça, hein. Eh, oh, bah c'est un brave type et tout. Eh, mais, oh, c'est pas écrit reprise d'occasion ici, hein. Eh, oh, on a sa fierté tout de même, hein. Bon, revenons à vous. À moi? Bah oui. Vous allez occuper avec Geoffrey? Vous connaissez Geoffrey? Ah, personnellement, non. Et je le regrette, d'ailleurs. Mais j'ai dû lire une ou deux lettres de lui, là, qui traînait dans votre chambre. Ouais, en toute discrétion, naturellement. Naturellement, bien sûr. Bon alors,
C'est qui que vous attendez? J'attends un photographe. Oh, un photographe? Attention, hein, un photographe de mode. Oh, j'aime mieux ça. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Ah bon? En fait, je ne connais même pas son nom. C'est la sœur d'une copine, d'une amie qui a travaillé avec lui. Oh là là là, faut suivre, hein. Et pour tout vous dire, ce photographe doit me faire un book. Un book? Un book, B-O-O-K, c'est un mot en anglais. Ah, O-K. En fait, un book, c'est un livre où on est en photo. Vous voulez dire vous et moi? Ah bah non, pas vous. Oh, dommage. En fait, ce book me sera super utile pour trouver un job dans la pub ou le ciné. Ah, avec ce book, vous pourrez vous présenter à des castings. Eh ben voilà, vous voyez quand vous voulez, Monique. Oh, ben moi, je suis pleine de bonne volonté, hein, vous savez. Mais... C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que vous aviez le physique de l'emploi. Hein. Merci. Alors que moi, ben... J'ai un emploi physique. C'est joli, ça. Bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et pourquoi il vient ici, là, votre photographe? Bah, à cause du cadre. Du cadre de la photo? Le parc est superbe, il y a une piscine. C'est mieux pour les photos en maillot de bain, non? Parce qu'il y aura des photos en maillot de bain. Oh, mais ça s'arrêtera là, hein? Oh, bah, remarquez, on peut pas tellement aller plus loin. Hein. Ce sont des photos artistiques. Ah, ouais, ben, vous devriez quand même vous faire attention, hein. Et vos parents, là, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Oh ben, vous vous doutez bien qu'ils n'en savent rien. Ah ben, oui, oui, je m'en doutais bien, mais je voulais vous l'entendre dire. En fait, je ne suis pas sûre qu'ils voient ça d'un très bon oeil. Voilà. Les études avant tout. C'est d'ailleurs pour ça que le photographe devait venir aujourd'hui, vendredi, où la maison aurait dû être vide. Et avec moi, c'est loupé. Bon... Vous ne pensez pas que tout de même que vos parents, ils vont finir par se rendre compte, là? Pas sûr. Et puis une fois que mon book sera terminé, j'espère obtenir des contrats et avoir mon indépendance financière. Ouais, et ben moi, je ne voudrais pas faire l'oiseau de mauvaise figure, mais vous devriez quand même faire attention, hein. À quoi? Mais à ce milieu-là! Ce milieu-là du show business! Enfin, c'est ce qu'en dit Marcel, hein. Marcel, c'est le neveu de Mme Grognard. Vous savez, Gertrude Grognard, celle à qui je dois garder un des marmots, là. Peut-être, peut-être. Eh bien, il s'y connaît, le Marcel, hein. Eh, faut dire qu'il a joué dans la troupe théâtrale de la MJC de Vercuzon-sur-Batinge. Eh, ah oui, sacrée référence. Eh bien, je crois bien même qu'il avait un rôle dans... Oh, dans le cidre ou un truc comme ça. Eh bien, on peut dire qu'il a de la bouteille, alors. Ah, ben, ça... Vercuzon sur le Batinge. D'après Marcel, si on veut réussir dans le ciné, eh ben faut coucher. Oh bah, faut pas exagérer. Ah mais il s'y connaît, Marcel, je vous le dis. Bien, 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 écoutez, bah, je vais m'en méfier alors. Je vais faire attention. Ouais, vous devriez quand même faire attention. Eh bien, je vous remercie, Monique. Je ferai très attention, même si je reste persuadée qu'il n'y a pas des pervers partout. Ben, vous en avez quand même de la chance, hein. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me prenne en photo. Pas qu'en photo, d'ailleurs. Oh. Ça viendra, Monique, ça viendra. Ouais, ben, pourtant, moi, je suis prête à coucher, hein. Mais même en couchant, je crois que je n'y arriverai pas. Mais ne soyez pas si pessimiste, Monique. Moi, vous croyez? Toujours rêver dans la vie. Vous pensez que moi aussi je pourrais faire de la pub? Mais oui, un miracle est toujours possible. Ouais, ben vous êtes gentil, hein. En plus, moi je pense que je pourrais, hein. Je pense que je serais douée pour ça. Bon, reste à savoir pour quelle marque, hein, maintenant. Bon, la mère Denis, elle a déjà fait son trou dans la lessive, hein. Peut-être. Peut-être bien pour la vache qui rit. Et ben pourquoi pas? Je dis ça à cause de mon rire, hein, forcément. Forcément. Dites, vous ne soufflerez pas un mot de tout ça à mes parents, hein? Bah, vous me connaissez. Bah, justement. Je vous promets que ça ne sortira pas de la ville. Mais non, je plaisante. Rassurez-vous, ils n'en sauront rien. Merci, Monique. Et quand le photographe sera là, vous... Je débarrasserai le plancher.
J'ai compris, pas la peine de me faire un dessin, je suis de trop. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, bah, c'est ce que vous pensez, hein. Ouais. Ouais, bah, vous en avez de la veine. Parce que moi aussi, j'aimais TP, TP, trace et poussière. Hein, et faut notamment que je me tape la véranda, à défaut d'autre chose. Hein, vous ne m'aurez donc pas dans les pattes. Hein, et après, il faudra que je pense à prendre une pause. Hein, pendant que vous, eh ben vous prendrez la pause. La véranda, hein? Allez au boulot, Momo. C'est par là qu'il y a les traces de doigts. La véranda. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais ce matin. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai retrouvé. Allô, Sophie, oui, c'est moi. Ça y est, ça y est, ça y est. Je l'ai retrouvé. Oui, sur un meuble, là, dans l'entrée. Oui, évidemment, je pensais que je l'avais laissé là, mais bon. Dites donc que Monsieur Dubois n'est pas encore là? Très bien. Bon, dès qu'il arrivera, Sophie, je compte sur vous pour le faire patienter. Très agréablement, cela va sans dire. Sur le canapé? Ah oui, si vous voulez. Oui, oui, vous avez carte blanche. Oui, oui, vous aurez aussi la carte bleue. Bon, dites donc, Sophie, si le trafic est fluide, là, je serai de retour dans 10 minutes. Juste le temps pour vous de faire tout plein de choses. Allez, à tout à l'heure. Ouais, 10 minutes, c'est pas mal. Tania. Gagné. Mais pas elle. Si, si, c'est bien moi. Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible. Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue te faire une petite visite, voyons. Eh ben, elle est faite, merci. Allez, au revoir. Oh, mais tu m'embrasses pas. Voilà. Oh, allons, un effort, c'est... Ah, écoute, tu sais très bien que j'ai toujours eu horreur de ce diminutif, hein. Pourtant, ça te va bien. Et puis, ça allait si bien avec moi quand tu m'appelais ma cocotte. Tu te rappelles? Ouais, vaguement, vaguement, ouais. Tania, la cocotte minute de Seb. Ah oui, ah oui, oui, sacré slogan, hein. Mais tout ça, c'est loin. C'est vrai que ça fait longtemps. Attends que je compte. Non, 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 inutile, ma vieille, hein. Ma vieille? Dis donc, je suis pas ta femme, hein. Non, écoute, sache que nous avons le même âge, elle et moi, hein. Oui, ce qui prouve que tu n'es pas de la première jeunesse. Merci de me le rappeler. Bah, c'est tout naturel, hein. Pas comme la couleur de tes cheveux, dis donc. Oui, hein? moi, je ne perds pas. dis-moi au moins ce qui t'amène, ça vaudra mieux. Ben, je me languissais de toi, mon vieux. Oh. Non, en fait, je plaisante. En fait, j'aurais besoin d'un peu de... Un peu d'argent, c'est ça? Dans le 1000. Et combien? Ben, dans les 10 000. Tout ça? Ben, c'est rien pour toi. Bon, en fait, qu'est-ce que tu en sais? Ben, j'ai mes sources. Ouais, ben, je préfère ne pas y boire. Hein? Ben, tes affaires marchent bien, non? Ah, c'est sûr que beaucoup mieux que lorsque je t'ai rencontré, hein. C'est vrai qu'à l'époque, mon entreprise était au bord de la faillite. Comme ton couple. Oui, mais sans ça, d'ailleurs, il n'y aurait jamais rien eu entre toi et moi. Hein? Ah bon? Parce que c'est le désespoir qui t'a jeté dans mes bras? Écoute, Tania, tout ça, c'est fini. C'est du passé. Ce qui compte, c'est le présent. Eh ben, ça tombe bien. Parce que moi, mes 10 000 euros, j'aimerais bien pouvoir en profiter, là, maintenant, tout de suite. Hein? Mais t'inquiète, hein? Je te rembourserai. Ah ben, l'espoir fait vivre. À très longue échéance et sans intérêt, naturellement. Naturellement, naturellement. Dis donc, si je te verse cette somme, je ne te reverrai plus. Ben ça, tu sais, le hasard des rencontres. Mais bon, je viendrai plus jusque chez toi, ici, c'est promis. Ouais. Et puis, tu sais pas, mais j'ai un mec maintenant. Ah bon? Ça t'étonne? Ah ben non, mais ce qui m'étonne, c'est pas que tu sois avec un mec, Tania, mais que tu ne sois qu'avec un seul mec. C'est vrai que j'ai toujours été très partageuse, hein. On se refait pas. Ah non, mais dans ton cas, ce serait dommage quand même.
Bon, hein? Alors, hein, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu restes ici? Hein? Bon. Eh ben, oui, je reste ici. Mais non, je peux pas. Et de toute façon, je dois être parti dans l'heure, alors... Ah ouais? Mais tu sais que même en moins d'une heure, on peut faire un tas de trucs hyper sympas. Mais non. Mais dis donc, tu me promets, s'il te plaît, hein, de m'attendre ici? Bah oui. Et de ne pas bouger de là? Bah oui. Non, mais parce que, écoute, moi, il faut que j'y aille, alors je peux pas rester, hein? Bon. Ah bon? Bah oui. Mais tu vas où, là? Eh ben, je vais au bureau, hein? Ah bon? Écoute, bon, alors comme ça, tu voulais que je te donne de l'argent, hein? Oui, c'est ça, 10 000 euros. Non, mais enfin, du coup, je n'ai pas une telle somme sur moi. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à me faire un chèque. Mais un chèque de 10 000 euros, non, mais tu penses pas. Mais si, j'en rêve même. Non, mais c'est impossible. Enfin, bah, quand ma femme verra ça, elle se demandera ce que c'est. Oh, bah écoute, je sais pas, moi, t'as qu'à utiliser le chéquier de ta boîte. Bah, écoute, il est au bureau. Hein? Eh ben, va le chercher. Maintenant? Eh ben oui, pas pour Noël, et puis de toute façon j'ai cru comprendre que tu devais retourner dans 10 minutes. Non, tu as vraiment réponse alors, à tout, quoi, hein? Faire de coup? Eh ben, mais c'est qu'il y en a là-dedans, hein? Ouais, ben je suis jamais allé voir. Ah ben c'est sûr, hein, c'est parce que tu as exploré le plus chez moi. D'ailleurs, ouais. Moi, tu sais, j'ai toujours pensé qu'une femme devait pouvoir utiliser autant son cerveau que son corps. Ouais. Mais chez toi, tu vois, il y en a un des deux qui a très peu servi. Ah bon? Bon, bah écoute, assez perdu de temps comme ça, hein, il faut qu'on y aille. Que tu y ailles, nuance. Mais comment ça? Eh ben oui, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas au bureau, toi, et puis moi je reste ici à t'attendre. Mais tu ne peux pas rester là comme ça! Et pourquoi pas? Oh, écoute! Eh ben, je sais pas, moi, pars! Oh, ouf! Bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je reste ici, moi. Oh là 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 là. Je m'installe. Ah, mais je vois, oui. De toute façon, t'as dit toi-même que tu ne veux pas mon ami. Monique! Celle qui rit quand elle astique! Oui, mais Monique, mais qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que je fais là, c'est ça? Ben oui! Oh, ben ça, c'est une longue histoire. Enfin, pas si longue que ça, en fait. Ben, je suis venue bosser, tout bêtement. Vous ne me présentez pas? Si. Voilà, c'est Monique. Ça qui rit? Ça va. On a entendu, hein. Bon. Et ça, c'est quoi? C'est Tania. Voilà, c'est ça, c'est Tania. Tania? Tiens donc. Oui, Tania et ma... Je suis sa cousine. Voilà, c'est exactement ça. Tania est ma cousine. Voilà. Ah. Et elle est passée par ici. Et elle repassera par là. Oh, ben moi, j'ai jamais aimé le repassage. Hein. En chemin, Tania s'est arrêtée pour me rendre visite. Oh, ben c'est gentil, ça. N'est-ce pas, hein? Oh. Mais elle va pas rester très longtemps, hein? Eh ben, juste le temps de récupérer. Oui, hein? de récupérer. C'est important de récupérer quand on a couru, hein? Bah oui. Moi, il n'y a plus qu'à vous laisser en famille, hein? Je vois bien que je suis trop ici, hein? Bon, enfin, Monique! Enfin, vous savez très bien que vous en faites partie, oh! Ouais, bah, un peu, c'est pas trop, hein? En fait, dites donc, pas un mot à mon épouse de la présence de Tania ici. Ah, pourquoi? Ah, comment? Comment dire? Oui, c'est pas la peine qu'elle sache que Tania est venue ici parce que elles sont en froid toutes les deux. Ah, mais ça risque de chauffer si elle la prend. Eh ben voilà. Bon, ben moi je vais faire comme avec la ceinture de sécurité. Ah bon, c'est quoi ça? Ben que je vais la boucler, tiens. Oh, Monique, hein, a toujours le bon pour rire, vous, hein. Très bien. Bon, écoutez, Monique, vous lui donnerez mon bonjour quand vous le verrez. Hein? Ah,
Oui, bon, en attendant, allez donc travailler en paix, hein. En tout cas, je sais pas si elle t'a cru, hein. Mais moi, j'ai bien simulé, hein, comme d'habitude. Ouais. Et on a sonné. Hein? On a sonné, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Oh, dis donc, Tania. Oui. Viens là, rentre le temps que je m'occupe. Mais c'est quoi, ça? Ben c'est la penderie. Oh, on n'est pas au théâtre tout de même. Oh ben c'est à se le demander, hein. Oh, puis de toute façon, j'ai peur d'en voir. Bon, la bibliothèque, tu préfères? Bah ben, les bouquins et moi, c'est pas trop mon truc. Oh, hein. Ben viens par là, allez hop. Oh. Je viendrai te chercher. Oh, c'est pas possible. Monsieur. Bonjour, devait être monsieur Marronnier. Lui-même, oui. Je l'aurais parié. Et vous, vous êtes... Claudius Poulet. Ravi. Vous pouvez m'appeler Claudius, ça me dérange pas. Ah non, sans façon. Et même Clo-Clo, si ça vous chante. Bah ça ne me chante pas du tout. Et je vais vous faire une confidence. Non, inutile. Eh, mais ça reste entre nous. Oh, bon, écoutez... On m'appelle aussi Casse-Bonbon. Là, je vous crois volontiers. Eh, c'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais minot. Eh, depuis, j'ai toujours gardé. De mieux en mieux. Je vous le jure. Ouais, non, mais alors là, n'ayez aucune crainte, là, je vous crois mot à mot. Hein. Eh, si j'osais, je vous expliquerai d'où vient. Non, écoutez, n'osez pas. Hein. Oh. Non, je m'en passerai, merci. Eh, c'est bête, parce que c'est drôle. Bon, écoutez, monsieur... Coulet. Non, Poulet. Mais c'est pareil. Ouais, et non, permettez. Et moi, j'en connais un de Coulet. Régis Coulet. Il habite à Mondibouturier, là-bas, vous voyez? Ouais, vaguement, ouais. Bah, je préfère pas trop qu'on me confonde avec lui. Parce que c'est pas un gazier très fréquentable, Régis. Sa femme le serait en... Ah ouais, c'est une belle femme, la mère Coulet. Oui, oui, oui. Elle a ce qu'il faut, là où il faut. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et non. Moi, si elle disait oui, eh ben je dirais pas non. Et comme elle dit pas oui... Bon, écoutez, monsieur... Poulet. Oui. Si vous n'arrivez pas à vous en rappeler, je vous l'ai dit, faut pas vous gêner. Moi, c'est Claudius, celui qui rit pendant le... Non, nom d'un chien. Mais pourquoi lui ai-je ouvert? Si j'avais su, il a fallu pour ça que je le... Non. Bon. Claudius! Très bien, Claudius, c'est quand même pas compliqué à se mettre ça dans le ciboulot. Faut pas être sorti de polyclinique, là, pour se rappeler. Bon, écoute, mon petit Sébastien, reste calme, s'il te plaît, reste calme. Monsieur... Poulet. Voilà. Vous voyez que vous y arrivez. Bon, pourrais-je enfin connaître l'objet de votre visite? Oula. Eh, c'est que c'est bien dit, ça. Ouais, il y a de la recherche. Bon, alors. Bon, figurez-vous que j'ai un problème avec mon bouc. Ouais, désolé, je fais pas le salon de coiffure. Hein. Oh, quel blagueur. Eh, je sens qu'on va bien s'entendre. Ah, pas la peine. Mon bouc. Vous me direz, il n'y a pas de mec. Eh bien, figurez-vous que je loue une parcelle toute proche de la vôtre. Là-bas, au fond, derrière votre potager. Potager? Que j'ai potager, c'est en un seul mot, hein? Potager. Quoique, dans des potes d'un certain âge, voilà. Bon, venez-en aux fêtes, s'il vous plaît. Fête? Quelle fête? Noël? Pâques? Ouais, je plaisante. Eh bien, pas moi! Oh, bon, bah, figurez-vous que ce matin, je m'aperçois que Bébert avait disparu. Bébert, c'est le nom de mon jeune bouc. Et c'était fait la belle. Si. Et c'est bien possible qu'il soit passé par chez vous. Marquis, je peux comprendre. Ça a l'air pas mal chez vous, ouais. Bon, dites donc, si je vous suis bien, mon bouc serait rentré dans ma propriété. Oui, mais bien suivi. C'est la belle, mes cousins. Hein. Et, en fait, si ça vous ennuie ce que je vous raconte, dites-le. Hein. Eh ben, je vous le dis. Ça vous barbe, hein? Oh, écoutez... C'est sûr que l'histoire de bouc, ça barbe, hein. Bouc, barbe, pas mal, hein. Fantastique. Ça vous la coupe? Il vous parle.
Alors là, si vous insistez, vous allez friser le ridicule. Friser? Alors vous, quel amuseur. Et ça, ça me plaît. Bon, écoutez, vous voulez quoi, au juste? Bah, voir si mon bouc est chez vous, et signer le faire passer de l'autre côté. Voilà, et vous, par la même occasion. Ouais, moi aussi, ouais. Eh, vous rendez pas compte des dégâts que ça peut causer un bouc? Non, difficilement, je l'avoue. Bon, pour revenir à mon cousin. Oui, bon, écoutez, monsieur Poulet, voilà, le parc, c'est pas grave. Bon, ça y est, c'est pour lui, ça y est, c'est fait, même si c'est du provisoire. Par contre, maintenant, il va falloir que je me débarrasse de l'autre folle, et là, ça doit être du définitif. Tania, chérie? Bon alors? Oh, c'était un dénommé Boulet. Oh, et Boulet, ça lui aurait beaucoup mieux. Hein. Mais c'est qui ce type? Ben, c'est un idiot. Ben, c'est vague. Hein. Il y en a quand même pas mal sur Terre. Hein. Écoute, c'est un raseur qui avait perdu son bouc. Ah, oh, c'est drôle ça. Merci. C'est drôle. Et figure-toi que je te dis ça parce que je sors de chez l'esthéticienne. Ah bon? Ouais, où je me suis fait faire une épilation intégrale. Mais c'est merveilleux tout ça. Est-ce que tu veux voir? Non. Ah bon? Non, mais tu me promets de m'attendre ici? Bah oui. Bon, écoute, tu sais que tu as de la chance, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne ici. Enfin, presque personne. Ouais, enfin, je dirais que c'est peut-être plutôt toi qui as de la chance, hein. Ouais, aussi, hein. Moi, tu sais, j'aurais bien aimé faire connaissance avec ton épouse. On doit avoir des tas de choses à se raconter, à échanger, je sais pas, moi, des trucs et astuces de bonne femme. Bah, tu vois de quoi je veux causer, non? Bon, écoute, Tania, une fois pour toutes, tu me promets de ne pas bouger d'ici. Ah, bah oui. Et de m'attendre sagement. Ah, la sagesse, c'est moi, ça fait deux, hein. Oh, non, parce que je t'ai déjà dit qu'il fallait que je parte dans l'heure, alors. Hein. Oh, mais moi, je te dis que même en moins d'une heure, on peut faire un tas de trucs hyper sympas. Bon, écoute, pour ta gouverne. Oui. Je te signale que l'heure est un département français. Ah bon? Ouais, au même titre que l'Oise, l'Aude, Yveline. Ouais, bah, Yveline ou une autre, je te signale, moi, que j'ai toujours été nulle en géographie. Bon, moi aussi d'ailleurs, mais enfin, il y a quand même un minimum, hein? Ouais. Enfin, c'est quand même toi qui m'as dit que mon corps ressemblait à une carte de France. C'est bien ça, non? Tu te rappelles pas? Vaguement, oui. De mon corps ou de ce que tu m'as dit? Bah, les deux. Eh ben ici le puits de Sancy, ici le puits de Dôme, et puis après plus bas la forêt de Troncet, non c'est pas ça? Ouais. C'est ça, non? Oui, bon, écoute, tu restes ici. Hein? Oh, ben si je reste pas, c'est sûr que... Moi, ouais, je file. Eh ben c'est ça, file. Oh, dis donc, hein. Si j'ai pas compris... Oh, dites-moi, je voulais vous demander... Oh, pardon... Y'a pas de mal, y'a pas de mal. Ah bah non. Quoique, avec Claudius Poulet, y'a peut-être pas de mal, mais y'a un mal, hein. Ah ouais. Alors c'est vous. Ah bah c'est ça, bah là c'est ça, je comprends mieux. Quoi donc? Oh rien, cherchez pas. Ah bah c'est ennuyeux, parce que si je cherche pas, eh ben je risque pas de trouver. C'est ça, ouais. Eh, vous pouvez m'appeler Claudius, si le cœur vous en dit. Ni le cœur, ni le reste. Ouais, vous allez me dire, c'est vrai que j'ai pas un prénom qui a trop la cote. Mais je me rattrape pas avec mon nom. Poulet. Cote. Oh, c'est renversant. Oh, c'est pas la première fois que je la sors. Je vous parle de ma blague. Ouais, bah, ça vole bas, hein. Eh, pour un poulet, c'est normal de voler bas. Un vrai champion du monde. Et vous? Vous êtes madame qui? Pas madame, mademoiselle. Oh. Oh là là. Et vous êtes de la famille? Non, pourquoi? Disons que je suis une proche. Ah ouais, comme moi, quoi. Ah bon? Bah ouais, j'habite à 500 mètres, donc je suis un proche. Oui, alors là, franchement, ça se confirme vraiment. Hein. On a un point commun, quoi. Oui, bah c'est le seul. Hein. Et vous vous appelez comment? Tania. Oh, mais c'est mignon, ça. Un peu comme vous, quoi. Et c'est spécial. C'est d'origine russe. Ah, la Russie. Et vous êtes polyglotte? Ben non. Pour rien. En fait, c'est un des derniers mots que j'ai lu sur le dictionnaire, donc je cherche à les caser dans la conversation.
Oui, alors là, on atteint des sommets. Avec vous, on gravirait plutôt des montagnes russes. Oui, alors, en alpinisme, c'est toujours moi qui choisis mon guide. Bon. Pour revenir à Polyglotte. Oui. C'est quand même plus facile à caser que polyéthylène, non? Et soporifique, vous connaissez? Non. Faut dire, j'en suis qu'à l'étropie aussi. Mais encore, pas tout à fait. Ah bon? Alors, pour tout vous dire, oui. J'ai déjà lu les lettres U, V, W, X, Y et Z. Bon, vous allez me dire, j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Il y en a que c'est compliqué, je vous raconte pas. Non. Bon, une fois que j'aurai expédié le PLQ. Expédié le PQ, c'est drôle, ça, non? Ouais, ça veut dire que vous êtes au bout du rouleau, c'est ça, quoi? Oh, au bout du rouleau. Elle est bonne. Bon, il me restera quoi? Il me restera le R, le S et le T. Remarquez, le R, c'est pas rien, hein? L'heure de rien. Pas mal, le jeu de mots, hein? Ouais, un vrai chef-d'œuvre. Et puis, entre nous, c'est bien de finir par un T. Ça fait déjà. Dites, pendant que vous êtes là, à me dévisager de la tête aux pieds. Ben, c'est qu'il y a à voir, si. Vous pourriez pas défaire ma robe? Vous. Ben oui, je parle pas bien français, peut-être. Ah si, une vraie monoglotte. Et si votre fromage se rapporte à votre laitage, vous devez sacrément bien causer. Bon, vous m'aidez ou pas? Oui. Alors, vous devez pas passer vos journées à déshabiller les femmes, hein? Ben non, du regard quand j'en vois une, quoi. Ouais, ben ça doit pas être souvent, hein. Ben non. Oh là, mais tranquillisez-vous, j'ai un maillot de bain en dessous. Ben oui. Ben oui, parce que figurez-vous que je sors de chez l'esthéticienne. Et puis comme je savais qu'il y a une piscine ici... Effectivement, c'est au poil. Au poil. Je suis sympa, pas votre esthétique. Enfin, votre jardinier, quoi. Ah ouais, alors vous avez fait... je sais pas moi, l'école du rire, c'est ça? Non, mais j'ai fait de l'alcool du rire. Et bah, c'est sacré mou. Et comme tous les alcools, mais... Oui. Vous savez, je vais même vous dire, j'ai acheté un nouveau maillot de bain, une pièce, la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, vous faites ce que vous voulez. Ah bon? Une pièce? Ah oui. Vous n'avez donc pas de haut, là? Oulala! Mais si! Bon, vous me l'avez faite ou quoi? Parce oui. Que c'est long, là, hein? Voilà. Oulala! Bon alors, mon maillot de bain, il me va? Ah ben c'est sûr, il vous va mieux à vous qu'à moi. Ouais, j'avais peur qu'il fasse un peu trop strict. Oh, pas de danger, oui. Des maillots de bain comme ça, j'en ai pas vu dans le catalogue des 4 Belges. 4 Belges, 3 Suisses, pas mal, hein? Ouais, je connais pas. Mais... Bon, eh ben c'est pas tout ça. Figurez-vous que moi, je vais aller me baigner. J'irai bien aussi, mais j'ai pas de maillot. Eh ben tant mieux. Allez, bye bye. Oh là là! J'ai bien fait de venir aussi, moi. Bon, doucement, Claudius, doucement. D'abord le bouc, pour la biquette, on verra après. Sa cousine, mon œil. Vous y croyez, vous? Ben moi pas. Mais faut pas me la faire à moi. Je suis sûre que c'était sa nièce. Il me semble que la poussière serait moins vive.
le soleil. Essuyez-moi avec une serpillière. Oh, m'interrompre en plein galop. Il y a des gens vraiment sans gêne, je vous jure. Ouais. Mais qui ça peut bien être, ce mec-là? Il a une drôle de tête, ce mec-là. Ah oui, je suis bête des fois. Ah, heureusement que c'est pas tout le temps. Bonjour. Monsieur? Madame Marmonnier, je suppose. Ah, sûrement pas. Et ouais. Ni Marmonnier, ni Madame. Bon, pour Marmonnier, c'est pas si grave. Pour Madame, ça l'est un peu plus. Mais comme c'est du provisoire, enfin, même si c'est un provisoire qui a tendance à s'éterniser d'ailleurs, hein. Ça, c'est votre problème. Ah, c'est bien, mais dans la vie, il faut toujours garder espoir, hein. Faut aussi être réaliste. Ah, ben, ça, je sais pas trop, hein. Bon, comme dirait Madame Grougnard, hein, en fait, vous la connaissez pas, Madame Grougnard? Oh, ben non, vous non plus, bien sûr. Enfin, bref. C'est ma voisine de palier. Et ben, comme dirait Madame Grougnard, à la fin de l'automne, toutes les courges ont trouvé preneur. Mais il reste souvent les cajots. Ah, oh, ben ça, je sais pas trop. Oh, ben, pensez donc, j'en toucherai deux mots à son mari. Eh, pensez donc qu'il est primeur. Alors, vous me direz que... Même si je suis en avant, j'ai pas de temps à perdre, moi, madame. Oh, ben ça, je veux bien vous croire. Oh, vous savez ce qui m'amène? Un peu, mon neveu. Enfin, bref, quand je dis mon neveu, c'est une expression, hein? Parce que j'en ai pas de neveu. Pas plus que de mari, d'ailleurs. Ça, c'est pas étonnant. Bon alors, le bouc, c'est vous? Ouais, c'est ça, le bouc, c'est moi. Oh, c'est marrant, ça, parce que je vous imaginais pas du tout comme ça, mais plus... Enfin, moi... Enfin, je me comprends, hein. Eh ben, vous avez du mérite. Et je vais vous révéler quelque chose qui va vous étonner. Ça peut vous faire plaisir. Oh, ben ça oui, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Par la force des choses. Eh, vous me croirez si vous voulez, hein. Eh, mais pas plus tard que ce matin. Eh ben, figurez-vous que je ne savais même pas ce qu'était un bouc. Non. Si, si. Vous m'en direz tant. Oh, ben ça, je pourrais en débiter, hein. Mais alors, vous êtes donc au courant de notre petite affaire? Eh ouais, j'ai tout dans cette baraque. Et pourtant, elle est immense. Ce qui, entre nous, ne facilite pas mon job, hein. Bon. Bon. Ouais, l'autre vendredi, là, figurez-vous que je m'étais attaqué au parquet. Ouais, bon, écoutez, j'en ai rien à cirer, votre parquet. Oh, bah alors là, vous avez le mot pour rire, hein. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Revenons à notre affaire. Bon, bah, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas les bruiter, hein. Ça se comprend, non? Ah, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux pas que certaines personnes l'apprennent, hein, si vous voyez de qui je veux parler. Ouais. En fait, vous êtes qui, vous, juste? Je vous intéresse? Non. Ah, mais ça vous intéresse de savoir qui je suis? Ouais. Eh ben, je suis Monique, la majordome. Ou la femme de ménage. Oh, ou la bonne à tout faire, si vous préférez. Ah, ça, je m'en fiche complètement. Ah. Ouais, je vous le répète une dernière fois. Je suis pressé, j'aime pas attendre. Oh, bah, comme je vous comprends, hein. Moi, c'est pareil. Figurez-vous, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, eh ben, j'ai attendu 1h30 chez le dentiste. J'y étais allée pour un bridge. Ouais, je vous parle pas du jeu de cartes, hein. Parce que, bah, d'abord, moi, je sais pas y jouer au bridge. Et puis, je préfère la belote de comptoir. Quand j'attends trop, je m'énerve. Mais faut pas. Oh. Pour en revenir à mon bridge, eh ben, figurez-vous qu'il s'était fait la malle. Eh ouais, je vais vous montrer. Là. Ah, ah. Quand je m'énerve, ça finit mal. Ah. Très mal. Ah. Alors, vaut mieux que j'aille dire à qui vous savez que vous êtes arrivé. Ouais, vaut mieux, ouais. Oh. Et vous avez intérêt à vous grouiller. Bon, bah, je me hâte, hein, je me hâte. Oh. Non, mais... Va futer la boniche.
Ouais, allô? Ah, salut Aldo. Ouais, pas trop mal, ouais. À 8e? Ah, je sais plus, j'ai laissé le journal dans la bagnole, ça peut attendre? Non? Ouais, je vais le chercher, je te rappelle. Ça, c'est trop fort. Pas moyen de mettre la main sur ce bouc. Pourtant, je suis sûr qu'il se cache par là, l'animal. Attends que je t'attrape. Ouais. Hey, je vois pas de cornes, et pourtant... Bonjour! Bonjour! Je suis Clémentine. Ravie, comblée, et même plus que ça. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Et moi donc, Clémentine? Mais c'est mignon tout plein, ça. Merci. C'est fruité. Oui. Égorgé de soleil, j'ai l'impression. Si vous saviez depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Ah bon? Vous savez, on m'a beaucoup parlé de vous. De moi? Bah oui. Ah bah ça. Oh, bien, hein. Oh là. Je pense qu'on ne s'est pas trop avancé. Alors, avançons-nous. On m'a vanté votre culture. Ah ça, la culture, c'est vrai que ça me connaît. La vôtre, m'a-t-on dit, est très étendue. Oh, pas tant que ça, mais c'est une polyculture intensive. Oui, sans doute. L'art à la tête de tout, c'est un peu vous alors? Ah ça c'est vrai, j'ai tout une tête de l'art. Et l'humour en prime. Ah ça, pour rigoler, je suis pas le dernier. Hein. Comme je dis toujours, avec moi, on se fend la gueule à coup de hache. C'est... parlant. N'est-ce pas? J'ai aussi cru comprendre que vous aviez travaillé pour le 7e art. Le... Si vous le dites. Enfin, je suppose que vous n'avez pas participé à des navets. Des navets? Ah ça, non. Tant mieux. Bah, le navet, ça vient pas de chez nous, et puis moi, j'aime pas ça. Si vous saviez comme je suis hyper contente de vous rencontrer. Mais moi aussi, moi aussi. Je vous avouerai même que je suis un peu tendue. Eh ben, comme moi. Enfin. Vous savez que c'est une première pour moi. Attendez, je comprends plus trop bien. Allez, dites, pour pas qu'il y ait de blizzard entre nous, là, comme dirait mon pote Auguste. Un ami photographe à vous, sans doute. Non, pourquoi? Oh, dites, vous savez pourquoi je suis chez vous? Bah oui, pour le book. Ah ouais, pour le book. C'est bien ça, j'ai pas d'erreur. Écoutez, en fait, je voulais pas trop déranger. C'est plutôt moi qui vous ai dérangé. Vous devez souvent être sollicité. Oh, comme si, comme ça. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on a à s'occuper d'un book. Vous n'êtes pas trop pressé, alors? Oh, bah non. J'avais cru comprendre. Pour être pressé, il faudrait que je sois un citron. Quoique un citron, ça irait bien avec une clémentine. Il ne manquerait plus que les pamplemousses. Si vous saviez depuis le temps que j'en rêve. De quoi? Bah de me faire un bouc. Ah oui. Ah. Où voulez-vous? Oui, me faire un bouc. Ah bah ça. C'est l'expression consacrée, non? Je... Vous n'imaginez pas à la fac le nombre de filles qui rêvent de vivre la même expérience. Ah non, ça, j'avoue que... C'est tellement excitant! Ah bah, si vous le dites! C'est pour ça que votre venue, pour moi, c'est une véritable chance. Effectivement, vu sous cet angle... Quand une opportunité pareille se présente à vous, il faut l'attraper au vol! Ah, c'est pour l'attraper, ça va pas être facile! Comme on dit, quand une occasion comme celle-là se présente, il faut la saisir! Ah bah, si je m'attendais à ça... Dites, ça ne va pas? Si, merveille. Vous avez l'air toute chose? Ah bah, c'est que... Ça doit être la chaleur qui vous met dans cet état. Ah bah, pour être chaud, c'est chaud, hein. Oula. Allez donc vous servir un verre au bar? Ah bah, je dis pas non. Hein. Ça vous changera les idées le temps que je me change. Très bien, hein? Est-ce que vous allez vous changer? Bah, oui. Je ne vais tout de même pas rester comme ça pour le bouc. Je sais pas, je sais plus moi. Je vais aller passer une robe de soirée. Ce sera mieux, non? Ah bon? J'en profiterai pour enfiler un maillot de bain en dessous. Ça sera du temps de gagner pour après. Sûrement, sûrement. Promis, je fais vite. Oh là là, Claudius! Mais dans quelle maison de Saint-Lien t'es tombé? Entre une femme à moitié nue et une autre qui va bientôt l'être. J'avais un bouc qui s'était fait la belle. Et voilà que c'est la belle qui me sert le bouc!
Franchement, on est quand même une drôle d'époque, vous trouvez pas? Et moi, je comprenais déjà rien, enfin. Mais là, c'est le bouquet. Bon, Claudius. Hop, allez. Un verre. Ça te calmera. Deux verres. Ça te remontera. Ouais, après trois verres, on verra. Hein. Bon, allez. Bon, allez, Il faudrait peut-être lui demander s'il est d'accord, le bouc. Ah, la petite qui veut pas. Ben, je vais lui demander. Bébert ! Bébert ! Allez, ici, Bébert ! Allez, viens de toi, Bébert ! Bébert ! Bébert ! Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Le plus beau Chiffre, failli être en retard. J'entends 2 minutes de marche, parfait. Quelle ponctualité. Madame. Monsieur. Jonathan. Ah, Jonathan. Mais oui, bien sûr, autrement dit, Monsieur Jo. Oui, si vous voulez. Oh, mais moi, je veux tout ce que vous voulez. Ah. Et surtout, ne pas le contrarier. Monsieur Jo, je vous attendais avec impatience. Ah bon? Oui. Ah, parce que le bouc, ce serait pour vous. Oui. Bon. Bah, ça a l'air de vous étonner. Un peu, oui, je l'avoue. Ben, pourquoi donc? Ben, je ne voudrais surtout pas vous contrarier, mais... Oh, mais moi non plus. Je vais être franc. Oh, mais certainement. Disons que je m'attendais à quelqu'un de... Oui. Comment dire? De plus jeune. Ah, parce qu'il faut un âge pour ça? Non, mais... Enfin, c'est votre choix, après tout. Ah, mais oui, certainement. C'est donc vous, alors. Ah ouais. Bon, vous voulez mon avis? Mais c'est sûr. Bien, vous devriez passer une autre tenue. Une autre tenue? Oui. Celle-là ne vous convient pas. Ah, mais disons que pour un bouc, elle n'est pas des plus appropriées. Ah, et que me conseillez-vous? Une tenue plus chic, quoi, vous voyez. Oui, mais... Et qui vous mettrait plus en valeur. Ah. Si tant est qu'une telle tenue puisse exister. Oui, mais... Très bien, une robe de soirée, non? Je vous encourage vivement à la mettre. Bon, je... Vous savez, la tenue ne fait certes pas tout, mais elle peut améliorer les apparences. Oh, ben si vous le dites. Mais qui sait? L'emballage peut parfois sauver le contenu. Même si là, ça va être coton, hein. Oh, une robe de coton, mais bien sûr que j'ai ça. Mais vous croyez vraiment, Monsieur Jo? Mais enfin, mais je connais mon métier, quand même. Ah, ça, je sais que vous connaissez votre métier. Mais vous savez, vous n'êtes pas la première qui fait appel à mes services. Ça, je sais aussi. Alors faites ce que je vous dis. Très bien. Et de grâce, cessez de me poser toutes ces questions. Oh, mais je sais ce... Mais surtout, ne vous énervez pas, hein. Je ne m'énerve pas, voyons. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais je ne voudrais pas que vous montiez sur vos grands chevaux, Monsieur Jo. Montez sur vos grands chevaux. C'est bien approprié pour vous, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai peu de temps à vous consacrer et le temps, c'est de l'argent, hein. Oh, ben ça, c'est amusant. C'est toujours ce que dit mon mari. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'est pas là. Ah, parce qu'il n'est pas au courant que vous... Oh, Dieu merci, que non, il n'est pas au courant. Quand il rentrera du travail, il y a bien longtemps que vous aurez quitté la maison. Pas ça, à condition que vous pressiez, hein. Oh, je vais me presser. Et en attendant, si vous alliez dans la bibliothèque, vous verrez, elle est pleine de charme. Ah bah ça, c'est sûr que ça va me changer. Et de là, vous aurez une vue superbe sur tous les environs. Ah, mais j'en profiterai pour faire quelques photos, alors. Ah, Monsieur Jo, vous faites des photos? Évidemment! Ah, c'est un peu votre dada! C'est ça, oui? Bon, je fais vite, hein.
Oui, et ne traînez pas. Oh, je trotte, je galope ce jour. Non mais what? C'est quoi ce truc là? Il y en a vraiment qui se font des illusions quand même, hein. Parce qu'à part faire de la pub pour Damar au Polydent, là, moi, je vois pas. Encore? Je vais le passer que ça retenait au casting. Pas qu'elle me prête pour Jésus non plus, quoi. Parce que lui, il est arrivé à changer l'eau en vin. Mais moi, j'arriverai jamais à changer de vieille peau en top modèle, hein. Enfin, c'est son choix, après tout, quoi. Tant qu'elle me paye. Voilà. Bon, allons voir si c'est bien fait. Bon, j'ai toujours pas retrouvé, et un bon bol d'air, ça fait du bien. Et un bon verre aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi donc? Bah, retournez-vous. Oh là là! Alors? Ah bah, pour être retourné, je suis retourné, moi. Ça ira pour le bouc, non? Pour le bouc? Ouais, j'avais presque oublié celui-là. Je n'arrête pas d'y penser. Ah bah, je sais pas si ça lui ira, mais moi ça me va. Oh, ça oui. Merci. Et à vous aussi, hein, ça vous va rudement bien. Oh là là! On va pouvoir commencer alors? Ben, c'est que j'ai un petit souci. Quoi donc? Ben, j'arrive plus à mettre la main dessus alors. Pardon? Ben ouais, mais j'ai bien réfléchi et je viens de me dire que je pourrais peut-être le faire moi-même le bouc. Bah oui. Ça vous dirait? Naturellement. On m'avait prévenu qu'il était étrange. Bien là, ça se confirme. J'espère seulement être à la hauteur. Et moi aussi, moi aussi. Donc vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que ça soit moi qui m'y colle? Bah non. Bon bah alors au boulot. C'est ça. Quand faut y aller On va pas reculer maintenant. Reculer pour mieux sauter. Les Maximes m'ont toujours amusé. Et j'espère qu'il n'y a pas que les Maximes. Hein. Et les Claudius aussi sont marrants. Oui, sans doute. Il n'a plus qu'à sortir votre matériel. Mon matériel? Je pensais à votre appareil. Mon appareil, oui, bien sûr. Il doit être très performant, non? Oh ben, c'est que... Vous l'utilisez fréquemment? C'est que... Il doit être très performant. Oh ben, il a très peu servi, vous savez. Il est presque neuf. Oh ben, pas tout à fait, quand même. Il doit grossir plusieurs fois, non? Ah ben, ça... Vous me laisserez le manipuler? Ah ben, demandez comme ça... Ça me ferait rudement plaisir. Et à moi, donc? Quand j'y repense, c'est quand même le must d'avoir affaire à un professionnel comme vous. Oh, professionnel, c'est vous qui allez me dire, hein? Mais, qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous voyez bien, non? Ah, bah ça! Et vous ne savez pas? Non, mais vous êtes cinglé, hein? Ah, de vous, oui, ça se pourrait! Mais arrêtez! Bah, tu serais bête, je suis presque au bout! Mais laissez-moi! Ah non, j'ai fait qu'est-ce qui était prévu, hein! Et ça, c'était prévu! Ah non, je m'en dis encore une, hein! Et si vous en voulez une autre, pas de problème! Ah ouais, si, ça devrait suffire, hein! Tous pareil, vous ne pensez vraiment qu'à ça, hein! Je crois que c'était vous qui... Ça tire! Ah, pour qui arrive, ça tire, hein! Monique avait bien raison de me dire de me méfier de ce milieu-là! Obsédé, bah! Bah, ça, c'est le monde à l'envers! Vous avez 5 minutes pour vous rhabiller et quitter les lieux! Oh bah ça! Et soyez heureux que je ne prévienne pas la police! Moi je comprenais déjà rien aux femmes, hein. Je comprends plus rien du tout! Hein. Oh bah Claudius, t'as plus qu'à te passer la tête sous l'eau et puis à dévier par d'ici! Hein. Si j'aurais su, j'aurais pas venu! Hein. Mais c'est pas vrai, ça! C'est vraiment une manie dans cette baraque de tous les étés!
Mince, mais ça... Mais c'est vraiment une maison de cinglés ici. Ouh là là, on vient. Bah, où est-ce qu'elle est passée de là? Sébastien. Pierrette. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'allais te poser la même question. C'est drôle, hein? Oh oui, effectivement, c'est drôle. Bah tu vois, j'avais oublié ma serviette, hein. C'est bête. Plutôt. Et toi? Moi, pareil. Ah bon, tu as besoin d'une serviette pour jouer au Scrabble? Oh oui, c'est fou ce qu'on suit au Scrabble, mon chéri, on ne s'imagine même pas. Non, difficilement, hein. Il y a tant de choses étonnantes dans ce bas monde, hein. Ah, à qui le dis-tu, chérie? Ben, à toi. Ah oui, c'est vrai. Mais dis-toi, en fait, mais tu t'es changé, non? Oui, et ma robe te plaît? Ben, forcément, c'est moi qui l'ai offert. Oh, mais oui, suis-je bête, chérie, c'est toi qui me l'as offert. Ben non. Mais si! Bon, si tu insistes, alors je veux pas te contredire. Eh, hey, tu sais comment j'avais oublié qu'on avait un tournoi de Scrabble aujourd'hui. Tiens donc. Et il faut, tu sais, pour les grandes occasions, toujours être bien mise. Alors, je me suis mise sur mon 31. Ah ben, sûrement, ouais. Il va falloir que tu y ailles. Ah ben oui, il va falloir que tu y ailles. Oui, c'est ça. Que nous y allions, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il va falloir que l'on reparte, hein. Et tu prends pas de serviette? Oh, mais si je bête, c'est vrai. Ah, merci. Attends, c'est une porte-serviette. Bon, il va falloir que l'on reparte, hein. Bon, après toi, ma chérie. Hein? Bien sûr. Et tu es garé loin? Non, juste de l'autre côté du boulevard. Mais avec tous ces travaux dans la rue, on n'a pas eu le choix, hein. Ah ben non, comme tu dis, hein. On n'a pas le choix, hein. Mais c'est pas possible, où ils ont foutu ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas prêté dans 5 minutes. Elle peut dire son bouc, hein, la viop. Ça vous fait rire? Qui se présentera. L'occasion, faut pas non plus que la date de péremption soit dépassée, hein. Ouais, pas moyen d'être tranquille ici. Bah tiens, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça vous regarde? Bah non, mais enfin moi je disais ça comme ça, hein, comme j'aurais pu dire autre chose. Bon alors, vous l'avez vu, votre cliente, enfin si on peut l'appeler comme ça, hein. Non, j'ai dû m'absenter. Ah ben ça c'est dommage, parce que pour une fois j'avais fait mon boulot, je lui avais dit que vous étiez arrivé. Ben va falloir lui redire, et vite. Ouais, et ben pour ça faut que je la retrouve, hein, parce que c'est une vraie anguille. Ouais, c'est une poissonnerie ici, entre l'anguille et le thon rouge, là je suis servi. dites, ouais. Je pensais à un truc là. Ah bah c'est bien ça de penser. Faut pas croire, hein, je veux pas te parler. Ouais. Ouais, voilà. Je voulais vous demander. Ouais, quoi? Un bouc. Ça serait possible pour moi aussi? Pour vous? Bah ouais. Si vous avez les moyens d'investir, pourquoi pas, hein. Oh bah ça, moi je veux bien m'investir.
corps et âme. Hein. Oh, je suis prête à m'investir. Ce sera pas la peine. Ah, mais donc, vous pensez que c'est envisageable? Ah ouais? Ah ben, parce que j'avais peur de faire un peu trop... Enfin, ben, vous voyez, faire un peu trop... Non, je vois pas, non. Bon, vous me trouvez pas un peu trop âgé pour me lancer? Ben, c'est sûr que vous, bon, faudra pas vous lancer trop loin. Hein. Ni trop haut, sinon bonjour les dégâts. Ben, et mon âge, là, j'avais peur... Et mon physique, là, il ne vous paraît pas un peu trop ingrat? Ah bah, il y a largement mieux, c'est clair. Oh ben, je suis sûre qu'il y a pire aussi, hein. Ça reste à prouver. Enfin, c'est pas ça qui compte. Donc, vous pensez que c'est possible? Si vous allongez ce qu'il faut. S'allonger? Ah bah, dis donc, vous êtes direct. Non mais attention, hein. Je vous garantis pas un bon coup à chaque fois. Oh ben, vous savez, moi, avec l'âge, hein, je suis devenue très indulgente, hein. Dans ce milieu, ce qui compte, c'est d'être introduit par un professionnel. Ah. Oui. Mais attention, un professionnel, j'entends. C'est quelqu'un qui vous sort le bon tuyau au bon moment. Ouh. Oh ben, écoutez, je pense que c'est le bon moment. L'amateur, lui, ne connaît pas tout ce qui se passe en coulisses. Croyez-moi, il s'en passe. Ouh, sûrement. Dans ce monde, ce qui compte, ce sont les dessous. Les dessous? Oh bah, aujourd'hui, ça tombe sacrément bien. Moi, je suis comme beaucoup de femmes. Hein. Les dessous, moi, j'y attache énormément des portes d'importance. Hein. Combinaison gagnante, c'est pas tous les jours qu'on en découvre une. Oh bah, aujourd'hui, ça tombe sacrément bien. Oh. Vous vouliez une combinaison gagnante? Eh ben, en voilà une. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Ben, devinez. Ah ben, ça. Vous m'avez dit de m'allonger, je m'allonge. Mais vous êtes folle. Mais faites comme moi, grand fou. Mais moi, je vous l'ai dit, je suis comme beaucoup de femmes. J'accorde énormément d'importance à mes dessous. Je ne peux savoir vraiment pas chez vous. Mais allez, si, de mieux en mieux. Et vous aussi, vous verrez dans quelques minutes. Mais vous êtes complètement marteau. Ah non, moi je suis balance. Mais je rêve ou quoi? Bah, nous rêvons ensemble. Écoutez, hein, oh, je sais pas où vous voulez en venir. Mais si. Bah, j'en ai bien peur, mais vous pouvez vous habiller. Ouais, c'est ça. Quoi, je suis pas clair? Je suis pas votre genre. Non mais vous êtes regardé. Bah non, mais il y a pas de miroir ici. Bon, écoutez, je ne voudrais pas être désobligeant. Mais vous mettez le doigt dans l'œil. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices, moi, madame. Beaucoup. Mais il y a des limites. Mais... Je bosse pas à l'armée du salut, moi. Bah... Inutile que j'insiste, alors? Parfaitement inutile. Vraiment? Vraiment. Vous êtes sûr? Ah, je suis sûr, oui. Allez, bah, allez, écoute. Bah... Allez, plutôt me chercher l'autre. Je croirais plus aux horoscopes, tiens. Ouais. Soyez heureux que je lui raconte pas tout, hein. Bah, y a plus qu'à. Bon, mais... Pas bien celle-là. J'ai ma réputation à tenir, moi. Allô? Ouais, Aldo. Ouais, c'est moi. Excuse-moi, j'ai été un peu long, j'ai dû me farcir une grosse dinde. Je me suis pas mis à la cuisine, non? Ouais, je t'expliquerai. Bon, j'ai tes infos, là. Ouais. Alors, dans la 8e, tu joues Saveur des Prés et Safran Sauvage. Des valeurs sûres. Ouais, attention, hein, sucre d'orge et non partant. Ouais, ça devrait rapporter gros. Oh, bah, de rien. Poker ce soir? Ouais, ça peut se faire, ouais. Ouais, faut que je lui demande, là, elle est chez sa copine Betty. Ouais, bah, je fais ça, je lui demande, je te rappelle. Mais c'est son portable! Mais c'est sa robe! Oh bah bravo la soirée, j'ai la copine Betty, tiens! Oh, et moi qui le croyais, j'ai vraiment été trop tâche! Oh là là, elle pense s'en tirer comme ça? Mais je sais pas à qui elle a affaire! Hein.
Comment si je vais planquer sa roque? On a qu'à traverser la poisse, elle veut se barrer. Futé, le gars. Maintenant, je vais retourner cette parade pour lui retourner une. Ah, parce que... Et à son mec aussi, par la même occasion. Ah, parce qu'il y a un mec là-dessus, on me la fait pas, moi. Attendez qu'il me tombe sous la patte. Ouais, cette fois-ci, j'en ai trop, hein. Le temps est largement dépassé, en fait, tant pis pour elle, je pars. Oh, un homme. Il n'y avait qu'à demander. Monsieur Joe. Joe? Ouais, Joe. Joe comme... Comme Joe. Oh, c'est amusant, ça. Ouais, tordant. Ah, parce que moi, c'est Jonathan. Joe en diminutif, quoi. C'est plaisant, non? Très drôle, en effet. Ah, mais rigolo tout plein. Mais dites donc, ça pourrait prêter à confusion, non? Bon, assez jacté, là. Elle est où? Pardon? Elle est où? Bah, j'ai entendu, merci, hein. T'avais pas compris, c'est ça? Alors vous avez le tutoiement facile, hein. Ah, quand je suis à cran, ouais. J'ai le poids facile, aussi. Ah? Oh, tu as vite t'en rendre compte, toi. Marquez, moi, je ne suis pas contre le tutoiement. Mais il me faut un certain temps, n'est-ce pas, hein? J'espère qu'il t'en faudra pas pour me dire où elle est fourrée. Je ne demande que ça, mais enfin, de quoi diantre me parlez-vous? Bah, ma meuf, pardi. Ah, vous laissez de dire votre fin. Ouais, si tu veux, ouais. Figurez-vous, je ne suis pas habitué à ce langage en couleur, hein. Bon, assez jacté, elle est où? Parce que vous êtes... Ah, son mec? Bah oui, forcément, je suis bête. Si c'est votre meuf, vous êtes son mec. Bon, une dernière fois, là. Où elle est? Bon, écoutez, cher monsieur... Oh, pas de salamalec entre nous, tu veux? Un peu de courtoisie, j'ai jamais fait de mal à personne, que je sache, là. Un coup de boule, si. Pour tout vous avouer, la seule femme que j'ai rencontrée ici cherche en ce moment des vêtements. Ouais, évidemment, oh, elle peut toujours chercher, tiens. Bah ça, c'est sûr qu'elle va avoir du mal, hein. Ouais, plutôt, ouais. Donc, nous parlons donc bien de la même personne. Moi, figurez-vous qu'à un moment, bah, je comprenais goutte à votre Saint-Migondi, hein. Eh oh, m'embrouille pas avec tes mots à la verveine, hein. Serait-ce pas plutôt du poète Verlaine dont vous voulez parler? C'est d'abord ma causesse que je veux causer. Elle qui croyait que vous étiez au travail, Pas de bol, je suis là. Ah oui, je vois, je vois. C'est ballot, hein. Effectivement, là, c'est positivement gênant. Ouais, ça remonte à quand, là, votre petite affaire? Ah, ben, nous avons pris contact sur mon site jojo.com, il y a un mois environ, à peu près, c'est ça, hein. Tiens, donc. C'est elle qui a insisté pour que nous nous voyons, hein. En te regardant, on se demande bien pourquoi. C'est aujourd'hui que ça se concrétise, quoi, voilà. Voilà. Je lui ai pourtant bien fait comprendre que c'était pas forcément une bonne idée. Eh bien sûr. Ben oui, à cause de son âge. Quoi, qu'est-ce qu'il a, son âge? Ben, sans vouloir vous offenser, avouez qu'elle n'est pas de la première fraîcheur, hein. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il n'y a que la vérité qui fâche. Bon, ça suffit, arrête ton cinéma, tu veux. Cinéma? Mais à propos, j'ai une idée. On vous a déjà dit que vous aviez une tronche en fer. Et je change pas de conversation, hein. Dans un rôle de bagnard, vous feriez merveille. Ou la ferme, tiens. De fermier aussi, mais là, c'est moins flagrant, quand même. Oh, ta gueule. Oh, oui, quelle gueule. Oh, boucle là, toi. Oh, tenez, asseyez-vous là. Vous permettriez que je fasse un portrait de vous. Et toi, tu permets que je te refasse le portrait? Ah oui. Ah oui, ça c'est une réplique d'acteur et du tac au tac, c'est comme ça me plaît. Et la tête au claque, ça te plairait? Pardon? Alors monsieur se tape ma gonzesse et voudrait pas que je le tape lui aussi. Mais enfin, mais monsieur, mais vous êtes dans l'erreur la plus totale. Ouais, à d'autres. Moi j'ai rien fait à votre femme. Mais bien sûr. J'ai même pas eu le temps. C'est ça, ouais. Moi je vais te faire quelque chose et qui plus est, prenant mon temps. Mais figurez-vous qu'en la voyant, j'ai même pas été tenté une seule seconde, hein. Quoi, tu veux dire que ma meuf est pas bien? Elle l'a peut-être été, mais il y a longtemps, quoi. Donc elle te plaît pas? Si. Bah voilà, on passe aux amants. Mais lâchez-moi! Je vais lâcher mon gars. Mais là, au secours! Au secours! Oh, excusez-moi d'être intervenu dans votre conversation, mais j'ai cru bien faire, hein. Oh, vous avez bien fait. Mais c'est pourtant vraiment pas mon genre de me mêler les affaires des autres. Ah, ça non, hein. Oh, mais dites donc, vous n'êtes pas les mains mortes? Bah, il n'avait qu'à pas refuser mes avances, là. Remarquez, en vous voyant, je le comprends un peu, hein. Oui. Je me suis cogné un tombeau. Mon pauvre. Oui. Mais qui c'est qui va avoir une grosse bobosse? Oui, qui a ma tête? Et qui c'est qui l'a sorti des grosses papates du gros nounours? Et qui c'est qui va le soigner? C'est Momo. Et une grosse bobosse pour Momo. Alors vous laissez-moi tranquille, hein. N'en rajoutez pas. Entre la vieille chouette et le gorille, hein, j'ai eu ma dose, hein, merci. Bah pour le gorille, je vois très bien qui c'est, mais pour la vieille chouette, je vois pas, hein. La visite du zoo est terminée. Je ne vous salue pas.
Voilà tous les remerciements qu'on a quand on veut rendre service. Ah ben dis donc, il y a des jours où je serais mieux de rendre mon tablier, moi. Le problème, c'est que personne n'en veut. Du tablier comme de ce qu'il y a dessous, d'ailleurs. Bon, et lui, là. Ben, après tout, il n'y a eu que ce qu'il méritait, hein. Non, mais... Oh mon Dieu. Oh, mais il y a quelqu'un qui a... Passé. Il n'est pas pourtant parti puisque son sac est là. Ce pari qu'il est parti dans le parc. Monsieur Jo, vous êtes là? Ça y est, la voie est enfin libre. Et il t'étend. Oh, ben là, je commençais à étouffer, moi, là-dedans. Hein. Heureusement que j'étais en maillot de bain. Hein. Ah, ouais, heureusement. Hein. 2 minutes de plus et j'enlevais tout. Ah zut, je suis pas passé loin! J'espère qu'on n'aura pas à y retourner, hein! Eh, moi je vais bien y retourner, mais avec vous, bien sûr! Oui, sans façon, hein, sans façon! Et en tout cas, je suis bien content que vous m'ayez rejoint! Ben, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous saviez pourtant pas que j'y étais! Oui, ben ce que je sais, moi, c'est qu'il faut que je décarpisse au plus vite! Hein. Ah! Le problème, c'est que ma robe a disparu! Ah, ben moi, ça m'a fait pareil! Ah bon? Parce que vous portez des robes, vous? Bah non, hein. Un homme avec une robe, vous en avez de bonnes, vous. Bah quoi? Les avocats, ils portent bien des robes, hein? Ah ouais, c'est vrai. Bah, au risque de vous décevoir, et bah, je suis pas avocat. J'aurais pourtant cru. Ah bon? Bah oui, un mec comme ça, je me suis dit, il doit être notaire ou avocat, enfin dans le droit, quoi. Ouais, je suis bien trop gauche pour être dans le droit. Quoique, avec une bagoue, j'aurais peut-être... Faire un bon avocat, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous êtes déjà une bonne poire. Hein? Bon, hé, hey, si je vous suis bien, et moi je demande qu'à vous suivre jusqu'à le bout du canton, moi. Eh bien, vos vêtements sont plus là où vous les avez laissés. Oh, un vrai Derrick! Eh bien, figurez-vous que moi aussi, mes nippes se sont envolées. On a encore un point commun. Vous feriez mieux de me dire où je peux trouver ma robe. Où je peux trouver ma robe? Bah, ça vous amuse de répéter ce que je dis? Vous me dites de vous dire où je peux trouver ma robe. Moi, je vous le dis, hein. Mais c'est d'une finesse. Ah, c'est du Clodius, hein. Oh là là, là, je peux tout de même pas rester comme ça. Ben, moi, ça me convient tout à fait. Oh là 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 là, mettez-vous à ma place. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je me mets à votre place. Alors vous, vous avez épousé la lourdeur, hein? Ah ben, faute de mieux, hein? Oh là 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 là. Bon, je vais pas rester comme ça, là. Ah ben, moi ça me va. Oh là là. Il y en avait qu'un, et puis de toute façon, il fallait que je tombe dessus, hein? Ah ben, moi j'aime bien que vous tombiez dessus. Oui, ben, sans façon, sans façon. Eh, dites! Oui, quoi encore? Pour vos vêtements, hein. J'ai peut-être une petite idée. Oui, bah, je serais curieuse de la connaître. Hein. Ouais, bah, dans la penderie. J'ai le temps de regarder ce qu'il y avait dedans. Enfin, sauf quand vous y étiez. Parce que là, j'avais bien mieux à regarder. Ah, ouais. Bon, ouais. J'ai peut-être un truc qui va faire votre affaire. Oh là 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 là, c'est pas possible. Tenez! T'es qu'un médecin! Mais c'est quoi, sac à patates, là? Ben, j'irai mieux vous proposer. Enfin, je parle de vêtements, parce que sinon, je suis ouvert à toute proposition. Oh là 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 là, bon, c'est vraiment moche, mais bon, ça fera l'affaire, hein. C'est grand, hein. Un peu comme moi, quoi. Oui, sauf que je ferai pas affaire avec vous, hein. Oh, eh, heureusement que souvent, femme varie. Oui. Ben bon, moi aussi, hein, c'est vrai, je vous préférais dans votre robe à vous. Et vous mettez sur votre 31. Oui, or que là, là, ça me met dans du 52, hein. Il faut toujours prévoir l'âge. Oui, on pourrait même y rentrer à deux. C'est pour dire. Vous les connaissez? Ah non. Une autre fois peut-être? Oui, non, j'ai eu assez ma dose. Bon, moi, assez papoté, hein, moi je mets les bouts. Hein. Déjà? Donc... Mais on n'a même pas le temps de faire mieux connaissance. Ouais, j'ai largement eu ma dose. Hein. Dites,
Oui, quoi encore? Ben, je pensais que, après ce qu'on avait vécu ensemble, on pourrait peut-être se revoir. Oui, ben, j'en parlerai à mon cheval. Hein. Vous qui le taquine, alors, eh, je vous en veux pas. Oui, ben, encore heureux, hein. À très bientôt, donc. Oui, ben, non, non. Et au fait... Oui, quoi encore? C'est quoi votre adresse? Rue du Gros Nigaud. Tania. 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 Ouais, c'est mignon, hein. Ouais, ravissant. C'est russe. Et elle est où? Ben, il vient juste de disparaître, hélas. Oh, merde. Eh, vous l'avez loupé de peu, hein, c'est bêtant. C'est donc bien elle? Ah ouais. En chair et en os. Surtout en chair, d'ailleurs. Et elle a donc trouvé des vêtements? Ben oui. Enfin, faut dire que j'y ai aidé aussi. De toute façon, c'est simple, hein. Et moi, je peux rien refuser à une dame. Même à une moche, hein. Pas trop moche non plus, hein. Alors, quand elle est bien fichue, je vous raconte pas. Bon, entre nous, c'est vrai que c'est un père, là, ça lui allait pas trop, quoi. Je l'ai préférée dans son petit maillot de bain. Qu'est-ce qu'elle était jolie dans son petit maillot de bain noir. Et ça la mettait vraiment en valeur. Et t'es qui, toi, là-dedans? Bah, Claudius. Je peux savoir d'où tu sors? Bah, de la penderie. J'y étais avec Tania. Ça, c'est trop fort. Enfin, j'y étais avant elle. C'est elle qui m'y a rejoint, quoi. Ah, mais je lui réglerai son compte plus tard. Attends, j'en connais un qui va prendre pour les autres. Qui ça? Devine. Ah, mais lâchez-moi. Tu vas voir. Au secours, Alain, Alain. Décidément, c'est une habitude, mais quel manque d'éducation. Bon, je l'ai dit. Quel grossier personnage. Mais non, mais... Dis donc, c'est moi, elle, hein. Ouais, il a eu de la chance. Ça lui fallait plus pour que je monte des quatre manches, mange off. En fait, j'ai un poil à mazout. Mais bon, merci quand même, hein. Madame. Ah non, non, mademoiselle. Oh, mais c'est encore mieux, ça. Ah. Ça laisse de l'espoir. Bah, ça dépend pour qui. Et votre prénom, c'est quoi? Monique. Monique. Celle qui rit quand elle panique. Ouais, entre autres. Et vous, vous êtes? Claudius. Claudius. Ouais. Celui qui rit quand on le met dans le bus. Ouais, si, ouais. Ouf. Vous avez mal? Une babiole, une blessure de guerre. Oh, laissez-moi tâter. C'est là? Un peu plus bas. Là? Encore un peu plus bas. Là? Un peu plus bas encore. Ouais, bon. Hey, venez avec moi dans la cuisine. On y sera mieux pour l'exploration. Je dis pas non. Oh, finalement, les horoscopes ont vraiment du bon. Hein. Monique? Oh, madame! Oui, je sais, je ne devrais pas être là. Enfin, que voulez-vous? C'est le boulot, que voulez-vous? Trouver un homme. Bah, comme moi, alors. Oh, en ce qui me concerne, c'est une façon de parler. Et Monique, vous n'auriez pas vu un homme traîner dans les parages? Ah, bah, aujourd'hui, ça ne manque pas. Hein. Une vraie invasion. Hein? Enfin, remarquez, hein, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Hein. Élégant, petit. Ah non, ça, j'ai pas en stock. Mince. Mince non plus, d'ailleurs. Ah. Écoutez, faut que je vous laisse, hein, parce que, j'ai un travail urgent en cuisine. Ah, très bien, Monique. Oui, j'ai un poulet qui mijote. Ah, on va avoir un bon déjeuner avec un bon petit poulet rôti. Pierrette, tu es déjà de retour? Oui, comme toi, en fait, hein. Oh bah c'est une sacrée coïncidence. Oh oui, une drôle de coïncidence, hein. Tu sais que des comme ça, on en voit rarement, hein. Exceptionnellement, chérie. Bah, tu sais que le monde est petit, minuscule. Moi non plus, mais il avait apparemment oublié quelque chose, hein. C'est fou ce que les hommes sont distraits. Cette fois-ci, mais je ne crois pas, le salaud. Pour t'aller, on verra à la maison. Et
Tu connaissais Ostrogo? Non plus. Bah, il n'avait pas l'air content, hein? Ah, il avait sans doute ses raisons, je sais pas. Mais enfin, c'est fou quand même, tous ces gens qui rentrent chez vous sans qu'on ne sache pourquoi. Écoute, chérie, dans ce monde, il y a tellement de gens paumés. Ah, oh bah oui, c'est sûr, mais ils pourraient aller ailleurs que chez nous, figure-toi. Oui, parfaitement. Il y a quand même beaucoup d'autres maisons. Oh, oui, alors. Papa, maman? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, et toi? Bah, tu n'es pas à la fac. Bah, je... Alors? Et pourquoi as-tu cette tenue de soirée? Bah, dis donc, c'est une drôle d'idée pour aller à la fac. Ah ben, toi, dis donc, tu nous cacherais quelque chose que ça ne m'étonnerait pas. Et ça, ce n'est pas bien du tout, Clémentine, hein? Non, on doit toujours tout dire à sa famille. Je sais. Et même si la vérité est difficile à dire, hein? Bon, Clémentine, nous avons à parler, hein? Et allons sur la terrasse, nous y serons plus tranquilles, hein? Si vous y tenez... Ah ben, bien sûr que nous y tenons, Clémentine, quand même, hein? Et comment, mais... En fait, finalement, chérie, tu avais raison. Dans les maisons, il y a toujours des secrets bien gardés. Oui, qui finissent toujours par ressurgir. Presque toujours. Oui, enfin, presque, oui, en effet. Oh, j'espère quand même que Clémentine n'a pas fait de trop grosses bêtises. Hein. Ouais, et j'espère surtout qu'elle va tout nous avouer. Hein. Bon, ma petite Clémentine, hein? Bon. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais. Quant à moi, j'ai peut-être pas retrouvé mon jeune bouc, mais je crois que je vais repartir avec une vieille bique. Merci à vous tous. Vous savez que on avait une grande envie de vous revoir tous. Après une année sans spectacle, vous avez dû vous embêter. Ben, nous aussi, parce qu'on n'avait rien à faire. La troupe Les Amis du Théâtre de Landy est très heureuse d'avoir interprété pour vous ce soir cette comédie hilarante Bouquinage de Monsieur Vincent Durand. Dans des décors réalisés d'après une maquette de Raphaël Demoiselle, évidemment avec l'aide de service technique de l'individu. Merci. Les arrangements musicaux, comme depuis 1985. Guy Pouliquen, merci Guy. À la technique, nous avons toujours Laurent Muzelec et Thierry Lucas. Merci, messieurs. À tous les acteurs sur scène, remercie également tous les membres de la troupe, sans qui ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Alors, on les remercie tous beaucoup. Merci. Avec, dans le rôle de Claudius, David Leborgne.
Sabiquette, Monique, Isabelle Ferreloc. Ma biquette à moi, Pierrette, Isabelle et Léouette. Alors là, je vous demande une minute d'attention. Elle vient de rejoindre la troupe, elle se débrouille merveilleusement. Hein, c'est ma fille, Clémentine. Wendy le reste. Jonathan. Raphaël Demoiselle. Un des seuls à avoir un bouc. Joe Sam Kerouas, merci. Mon ex, enfin, ou ma cousine, quoi. Tania, Cathy Ringoite. Et celui qui est dans le rôle de mon cher mari, c'est Daniel. Mon amant, mais c'est pareil. Elle se bat pour moi. Merci. Votre présence nous fait bien sûr beaucoup plaisir et nous aide également, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, à aider des associations en général locales. Et c'est ce qui nous fait également très plaisir. Bien sûr, nous sommes le 26, dans un mois, Noël sera passé. Mais d'ici là, toute la troupe se joint à moi pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci. Et à l'année prochaine, merci.